Bienvenue dans l'antre du paranormal. Je suis ici aujourd'hui avec... Brice. Voilà, Brice, qui m'a fait venir ici. On est dans un cimetière mérovingien. Et donc, il y a apparemment des phénomènes de tarés. Donc, d'ores et déjà, je vous invite en premier lieu à liker, à disliker, à commenter, à partager et naturellement à vous abonner à la chaîne 7 Spiro et sur notre page Facebook, le groupe L'Antre du Paranormal. Je vais laisser Brice vous expliquer un petit peu ce cimetière mérovingien car il a eu quelques expériences et pas des moindres. Exactement. Donc nous nous situons dans un très très vieux cimetière, 3000 ans, au bas mot, où il s'y est passé beaucoup de choses, énormément de choses, des phénomènes. Mais pour vous expliquer un peu l'histoire, le fait le plus marquant, c'est dans cette chapelle où nous nous situons, juste à côté. En 1638, il y a eu un massacre. Plus de 60 personnes qui ont été massacrées dans la chapelle. Donc nous sommes ici pour essayer de démystifier certaines choses, des bruits ou autres. On verra bien ce soir. Donc voilà. Donc, eh bien, sur ces mots, on va commencer à se préparer et à se mettre en situation de fait pour avoir ce genre de phénomène si possible et vous ramener les meilleures vidéos, les meilleures vues et sons possibles. Exactement. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. À plus, c'est bon. Seigneur, bénissez-nous. Est-ce vous qui faites ces bruits? Il y a des flous. Là-bas. Putain, c'est allumé là-bas, regarde. Waouh. C'est quoi ça? Je sais pas. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Tu veux filmer avec ça? Hein, Chris? Oui. Tu prends les deux. Tu vois comment tu fais, tu... Ah. T'essaies de bien voir le truc. C'est bon. Avec la torche. T'as les deux. Non, t'as ta lampe. Bah, j'ai dans la main. Des amis.
Y a-t-il quelqu'un parmi nous ? J'y vais aussi normalement, je crois. Juste là-bas. D'ailleurs, j'ai toujours via mon téléphone. C'est bon. Êtes-vous parmi nous ? Répondez, s'il vous plaît. T'as entendu ? On ne vous veut aucun mal. C'est bon, t'inquiète. C'est chaud, hein? Oh, va Dieu, c'était quoi ça? C'est la refait. Là-bas dedans, sur les arbres, ça l'a refait. J'arrête pas d'avoir des flous sur ma cam. Enfin, sur mon téléphone. Sur ta cam aussi, il y a des flous. Ouais, c'est ça qui est pas mal. Là, regarde. Oh, c'est un crapaud. Hein ? Oh, un mauvais audio, mon pote. Ouais. Putain, bestiole. Je sais pas si vous voyez. Un beau crapaud. C'est énorme. Ouais. On va pas se faire embêter par un crapaud. Oh, ben c'était lui en fait qui faisait du bouquet. Oh, il n'y avait pas que lui, à mon avis, je pense. Ouais, je pense aussi, mais bon, je vais essayer de me rappeler. C'est énorme, c'est pas chaud. Ouais, c'est pas les petites grenouilles, c'est les gros crapauds. Là derrière. Ah ouais, j'ai entendu, ça fait deux fois. C'est des jets de pierre, ça, je reviens. J'ai des flous de caméra, c'est incroyable. Ouais, ça. Autant sur la tienne que sur mon écran. Tu vois, je suis en train de filmer en Paris, quoi. Je suis en train de filmer Paris via...
C'est quoi ça? Hein? Oh là là. Oh là là. Oh, oh là là. Là-bas derrière, vers les tombes. Dans la tombe du juge là-bas au fond. Vous voulez nous dire quelque chose? Est-ce vous qui avez fait ça? Là, c'est bien en train d'enregistrer. Hein? Ça enregistre. Hein? T'as appuyé? Logiquement. Ah, bon, ouais, c'est... J'ai peur sur le coup. Ouais, on me dit qu'il y a de plus en plus de flou, ça tourne autour de nous. Ouais, bah là c'est bien chargé les gens. Hein. C'est très chargé. Ah, puis j'aime pas ce genre de tombe, Ryan. Hein, Steph? Ce genre de tombe là blanche, t'as l'impression que t'as toujours quelqu'un qui t'attend à côté. Hein? Je sais pas pourquoi. De quoi? J'ai de la raideur aux épaules. Toi aussi? Moi sur le côté. Côté gauche. Comme si on me plante une aiguille, tu sais, là, sous le bras. Pourriez-vous nous faire un bruit, s'il vous plaît? Oh, oh, oh. C'était quoi, ça? Regarde la porte. Elle s'ouvre? Ouvrez-la, s'il vous plaît. Oh. On vient de là, c'est pas bon. C'est pas une bonne entité, ça. On viendra après. Là, ça craque. À moitié, ouais. Je suis en train de fumer derrière toi pour pas qu'il y ait quelque chose derrière. Putain, mais regardez-moi cette lune, les gens. Attendez. Regardez-moi ça. Oh. Oh, bah attends, on va sortir le coup du cimetière. Mais ne suivez pas! Alors voilà, là on a eu des phénomènes de tarés. Des portes, enfin une porte surtout, qui était en ferraille, celle qu'on vous a montré au début, qui a commencé à s'ouvrir. On a eu aussi des pas, donc qui étaient derrière. Derrière nous. Et voilà quoi, c'était vraiment tendu. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a fait une petite pause et pendant qu'on faisait une pause, et ben, il y avait carrément des bruits de cordage, donc de pendu. Dans le champ, le truc qui s'est allumé. Ah putain. Alors attends, c'est de là. La capter, s'il y a possibilité. Bon, donc je vous disais, on a eu des phénomènes de taré, des pas qu'on entendait très clairement, beaucoup de choses comme ça, quoi.
le portail qui s'est légèrement entrouvert, vous savez, là, cette sorte de petite chapelle. Et voilà, bon, il y avait un crapaud qui faisait du bruit. Et ça, malheureusement, on pouvait pas le prévoir. On pensait vraiment que c'était. Mais mis à part ça, il n'y avait pas que des crapauds, quoi. Donc, je crois vraiment que quelque chose essaie de rentrer en communication avec nous. Je ne sais pas si cette chose nous veut du bien ou du mal. En tout cas, mon ressenti n'est pas positif. Dans certains endroits, il est même plutôt négatif. Donc, c'est ce qu'on fait avec Brice. On est sorti du cimetière. On vous parle là. À l'extérieur, bien qu'on est toujours sur la partie cimetière, donc je fais vachement attention à ce que où je mets les pieds, à ce que je fais. Et je pense qu'on va sortir un peu de matériel afin de capter, voir un peu ce qui se passe. Mais ouais, cet endroit est hyper chargé. Je sais pas ce que c'était. Non, mais là, je te dis franchement. Je préfère vous le dire tout de suite, vous êtes pour me prendre pour un cinglé, mais c'était bien une créature. Rien de fantôme, mais une créature ailée. Là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Comme il dit Brice, on n'est pas là pour faire du cinéma. C'est vraiment un truc de malade. Dès le ressenti que j'en ai, je suis frissonné dans tous les sens. De ne pas nous suivre. Ne nous suivez pas. On vous l'ordonne. Au nom du Christ. Vous pouvez rien contre nous. On est venu en paix, on vous l'a dit. D'entrée. Putain. C'est quoi qui éclaire là-bas? Ah. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Ça y est, ça commence. Oh putain! Putain! Putain, Brice. Truc de malade là-bas. Je te jure.
Putain, l'atmosphère, elle est balèze, là. Ah là, elle est lourde. Hein. Bon, on va se poser un peu avec la robe du cimetière. Déjà, regarde la lune. Vas-y, viens, c'est disparu. Non ? Ah ouais, ça y a plus rien. C'est là-bas au fond, viens. Ouais, derrière, quoi. Puis il y a quoi là-bas au fond ? Il n'y a rien ? Je sais pas. Eh, putain ! On vous a dit de pas nous suivre, hein ? Ne nous suivez pas, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Voulez-vous rentrer en communication avec nous ? Est-ce pour ça que vous nous suivez ? On dégage. Je me casse. La clé, putain. T'as entendu ? On va se poser un peu plus loin. On va revenir après. Oh bon, je reviens pas. Sérieux ? Bon, attends, t'as eu le bordel là ? T'es fou quoi ? T'en reviens. Putain, attends. Faut qu'on se pose un coup à l'extérieur et puis. Putain ! Bon ben, je suis obligé de prévenir. Excusez-nous. J'allume, on est dans la voiture. Je suis avec Brice. Donc, on était en pleine. Excusez-moi, je reprends mes émotions. On était en pleine. On a entendu. En pleine conversation pour. Mets-toi là. Pour essayer de. On va se poser là. Si possible, rentrer en communication avec. Non, moi, je vais plus loin. Je reste pas près de là pour. Je voudrais voir justement. Pose-toi dans un coin pour qu'on puisse quand même observer. Ok. Donc, pour rentrer en communication, comme je vous disais. On observe de loin. Et au moment où j'ai dit, en fait, j'ai voulu, comment vous expliquer ? Attends, excusez-moi, je reprends mes émotions parce que c'est un peu compliqué. Au moment où j'ai voulu, ouais, deux secondes, attends. Ouais, c'est ma ceinture, c'est rien. Au moment, en fait, où j'ai voulu rentrer en contact, je leur ai demandé de ne pas nous suivre et de ne pas nous agresser, surtout parce que je sentais que ça m'entourait. Brice a vu quelqu'un, ouais. Après, un truc blanc passer derrière moi, je pense, je ne sais pas si c'est dans le live. Et à partir de ce moment-là, je suis resté un peu à l'entrée parce que je chantais ça et Brice disait ne nous suivez pas, donc j'ai dit pareil, ne nous suivez pas, on vous l'a dit d'entrée, on n'est pas là pour vous agresser. Excusez-moi, je. Et du coup, je leur ai dit, est-ce que vous voulez. Pardon. C'est toi là ? Qu'allume ? Ah ouais. Ouais, est-ce que. Je suis perturbé là. Je dis, est-ce que vous voulez rentrer en communication avec nous ? Est-ce que c'est ça ? Mais ne nous agressez pas et tout. Et d'un seul coup, on a entendu un putain. Excusez-moi, ça c'est un truc de la ceinture. Et on a entendu un putain de bruit de malade. D'un seul coup, c'est comme si ça nous ça allait nous sauter dessus et c'était du ressenti. Hein. Ce que je vous dis là, c'est du ressenti, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment quelque chose qui nous observait depuis tout à l'heure et qui tournait. Et je vous l'avais dit déjà tout à l'heure, j'ai vu quelque chose de blanc dans l'arbre, dans l'autre arbre et dans le vieux cimetière. Je transpire, je suis mouillé, c'est de la peur, je veux dire, enfin, c'est de la panique et ça se comprend. Je pense que n'importe qui serait dans notre situation, enfin voilà quoi. Je préfère fermer, au cas où. Qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? On se pose déjà, on essaie de. Écoutez, je vais regarder avec Brice ce qu'on fait, est-ce qu'on y retourne ou est-ce qu'on n'y retourne pas, sinon. Vous en pensez ce que vous voulez. Voilà. Je vous dis, sinon. Excusez-nous pour la petite interruption. Donc on a eu un sacré phénomène de taré. Ouais. Voilà, donc je suis toujours avec Brice, on est revenu du coup, j'ai fait un demi-tour. J'ai filmé. Brice a donc filmé en. L'extérieur. En live. À l'extérieur, on a fait le tour en voiture, en plein phare, exprès pour voir si naturellement il n'y a pas un animal, un truc comme ça.
qui se baladerait et tout, quoi. Donc j'ai vraiment mis les pleins forts, on a fait le tour partout. Et du coup, ben, y a rien. Oh, à la grande surprise, il n'y avait rien. Mais donc là, on entend quand même des bruits. Et c'est, on revient, donc on est toujours près du cimetière. Okay. Oh là. Et je n'entendais pas. Là, j'ai mon machin qui floute à fond. Non, mais il floute pas. Oh putain, j'ai un truc qui est passé derrière moi. Et donc voilà. On va recommencer, je pense, à attendre un petit peu à l'extérieur. Mais je pense que c'est ce qui est mieux pour nous pour le moment. Et nous verrons par la suite sur le live ou quoi. Bon, voilà les gens. On est dans la voiture. On a eu des phénomènes de taré. Des trucs de dingue. Des lumières, des bruitages, des pas, des cordes, des bébés qui pleurent. Oui, ce que vous voulez, quoi. Beaucoup de choses ce soir. Donc en tout cas, vous en penserez ce que vous voudrez. Mais pour nous, c'était une épreuve. Moi, c'était fait, je te propose quelque chose. C'était la première de l'antre du paranormal. J'ai quelque chose à te proposer, justement. Et ce serait d'y retourner un soir, justement, pour voir s'il se passe encore des choses. On pourrait faire ça sur Et donc, il n'est pas prouvé qu'on n'y retourne pas voilà. Un de ces soirs. Justement, ce serait intéressant. Voilà. Donc, pensez à partager, ouais, à liker, à disliker sur la page 7 Biro sur YouTube. Et sur notre Facebook, l'antre du paranormal. Bonne soirée. Bonne soirée.